Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode sur Total Wars Arena avec le nouveau héros, si on veut, Vercingétorix, voilà, je suis pas capable de le dire, on dirait. Bon, alors voilà, le héros de la Gaule est arrivé, enfin, ça faisait un bon petit bout qu'il était annoncé. Et voilà, il n'avait jamais été sorti en tant que tel, et il vient enfin d'arriver. Donc il a 4 habilités plutôt correctes, voilà, bon, pas fantastiques, mais quand même, il faudra les expérimenter tranquillement. Bon, pour l'instant, il n'est que le numéro 2, donc on a que les deux premières. Je vous les montrerai sur le champ de bataille. Or, puisqu'aussi il est comme... Il est comme Arminius, il a pareil, les mêmes unités, donc voilà, les unités niveau 2 de barbare, voilà. Et on peut voir, voilà, ses habilités, on a Iron Discipline, c'est sa deuxième habilité, ce qui fait qu'ils sont, leur morale ne descend pas pendant les 10 secondes où l'habilité est activée, donc c'est pas mal utile. Et on a aussi Fortification Naturelle, voilà, qui dure 15 secondes, et ce qui fait que ça réduit de 10% tout. Les désavantages qu'on peut avoir à cause du terrain, et ça augmente aussi de 10% tous les avantages, ça le dit mieux, tout ce qui est positif pour le terrain pour nous est 10% mieux, et tout ce qui est négatif pour nous est 10% moins pire. Donc si on se bat en hauteur, on aura le plus gros avantage. Si on se bat en descendant, si on est plus bas que l'adversaire, on a moins gros désavantages, etc, etc, etc. Donc c'est plutôt bien tout cela. Voilà, on va se placer sur le côté déjà, regarder comment s'avance. On a un allié qui arrive en arrière, par contre je sais pas trop les touches. On a aussi, voilà, charge ici avec le F, qu'il faudra que je fasse attention, c'est vraiment la seule touche importante. Alors pour l'instant, voilà, on regarde, il y a énormément d'ennemis qui arrivent de ce côté là s'ils font pas attention, on va les encercler sur le côté, les entourer, voilà, mais on va pas faire ça trop vite. Voilà, on va pas faire ça trop vite. On va attendre qu'il passe. Et là, on y va. Voilà. Là on y va. On va charger par derrière. Et ça risque d'être magnifique. Alors oui, c'est ma première bataille avec. On va voir comment ça va se passer. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres ennemis de ce côté-là. Et on y va, c'est parti. On devrait pouvoir les coincer très rapidement. Voilà, dépêchez-vous les gars. Voilà, là ils vont charger. Ouais, ça c'était pas la meilleure des charges à faire. Ok, les archers devraient être capables de continuer tout simplement. Ok. Ici de ce côté-là. Toi tu vas charger ici. C'est deux. De ce côté là alors cela est en train de perdre tout son moral, malheureusement. Cela, on va le décaler. Hop, voilà. On va le charger sur cela, avec cela, ça ça marche. Ok, ça c'est bon. On va vite nettoyer cette unité. Ici on peut, ce qu'on peut essayer, voilà, ça va être ça ici. Le moral, on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. S'assurer de finir de nettoyer cette unité assez vite. On va leur dire d'arrêter de nous tirer dessus, s'il vous plaît les gars. Ça aide pas trop. On va faire ça ici. Hop. Voilà, toi tu vas faire demi-tour et on devrait gagner ce combat. Voilà. Voilà. On ne perdra pas de morale pendant un petit moment. On va partir de ce côté là aussi. Voilà. On va activer les deux autres habilités. Ce côté là ça se passe encore plutôt correct. Voilà. On a l'air de bien résister. Voilà, 31 000 de dommages. Ceux là sont fait écraser. Alors ça c'est bon. L'autre unité qui est ici va pouvoir aller nous aider de ce côté là. Ils attraper sur le côté. Voilà, ils sont flanqués, donc ils vont perdre beaucoup plus vite leurs points. Ici on va encore tout activer. Voilà. Papa John est en train de tomber et je pense qu'on devrait pouvoir gagner.
Allez-y les gars. Voilà, une petite charge aussi de ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Juste pour vraiment les empêcher de pouvoir nous charger ou quoi que ce soit. Ok, ça, ça se passe bien. De ce côté-là, on va faire ça, activer, voilà, juste pour qu'ils aient un petit avantage. Non, parce que ça, c'est pour pas qu'ils puissent casser. Donc ça, c'est bon. Voilà. Okay. Toi, tu vas te décaler. On va essayer de les attraper par derrière. Voilà. De ce côté-là, ça se passe bien. Allez, les gars, vous êtes capables. Non, vraiment, décalez-vous sur ce côté. Voilà, ceux-là, bon, ceux-là se sont cassés, malheureusement. Il y a combien d'ennemis qui arrivent, là? Ouais, je sais pas, c'est parce qu'à mon avis, les alliés doivent être utiles un petit peu, là. On a dû en péter 4-5. Alors, on va se charger pour se dépêcher de partir. Si notre allié pouvait leur tirer dessus, ça serait gentil. Voilà, tac tac. Comme ça, il ne pourra pas casser. Hop, petite charge là-dessus. Ok. Allez, chargez, dépêchez-vous de partir. Hop. Est-ce qu'il pourrait... S'il te plaît, fais juste lui tirer dessus. C'est des tirs gratuits là. T'as presque rien à faire. Voilà, fortification naturelle, ça c'est bon. On va... Oh non, c'est pas lui que je voulais prendre. Voilà, victoire, c'est bon. Ok, pas si pire. Or, ses habilités sont quand même fortes. Faudra voir sur le plus long terme. Bon, pour l'instant, on n'en a que deux, faut dire. Donc, on n'a pas... On voit pas le plein potentiel. Je vais vous montrer aussi ces deux autres habilités. Mais voilà, bon. Un petit peu d'expérience gagnée. Patati patata. On re-remplit les unités. Bon, on peut pas faire grand-chose avec eux. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, on va pouvoir peut-être l'améliorer de niveau. Ouais, ça devrait aller. Alors, voilà. Fortification naturelle qu'on a vu. Le prochain niveau. Et waouh! Belle amélioration. On triple le bonus. Et on double presque le désavantage. Alors ça c'est bien. Discipline, c'est 13 secondes à la place de 10, ce qui est pas mal bien ici. Ensuite on a Scorch Earth. Je sais vraiment pas comment ça marche. Ça serait intéressant à voir comment ça se passe. Mais on met feu partout autour de nous. Voilà. Sur 30 mètres autour. AO 7 explosion. 20 d'explosion. 6 de dommages. Donc je sais pas combien de temps ça dure. Je sais pas comment ça marche. Il faudra regarder ça. Mais ça sera pas tout de suite, voilà. Sinon on a défiance qui permet ça fait que je crois que nos hommes ne meurent pas direct en fait. Je crois qu'en fait pendant les 18 secondes ils vont pas mourir, mais je suis pas sûr. Ça paraît bizarre quand même. Ça ferait que pendant 18 secondes ils meurent pas et ensuite ils meurent tous d'un seul coup. Voilà. Je suis pas sûr. C'est peut-être pas du tout ça. Voilà. Mais bon, on verra. Bon. Fortification naturelle, est-ce qu'on l'augmente de notre niveau? On passerait encore un beau petit bonus positif, ça serait énorme. Mais 13 secondes où le moral ne casse pas, c'est pas mal gros. Alors on va prendre ça. Prochain, quand on aura 160 points, on pourra améliorer ça aussi. Avoir le Scorch Earth. Sinon, de ce côté-là, on peut les enlever et on va pouvoir passer au niveau 3. Voilà, puisqu'on les a de toute façon. Tac, tac. Voilà. Est-ce qu'on veut les meilleurs bouclier avec l'argent, ben avec le général? Non, on va pas faire ça, on va juste y aller avec ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut? Les ennemis qui ont moins d'attaque en mêlée, bof. Plus de vitesse de déplacement et de charge, ça pourrait être bien. Le festin, c'est super bon. Je crois qu'on va prendre ça et ça, voilà, pour les trois, bien entendu, toujours la même chose. Hop. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors j'espère que vous l'avez apprécié comme toujours et je vous dis à la prochaine. Bye bye.